Salut JTR. Alors moi ça fait maintenant 5 mois que je vis à Singapour et les méthodes de consommation ici sont assez catastrophiques niveau du plastique. Alors par exemple pour mon repas du soir, voilà dans quoi mon repas du soir a été contenu. Donc une boîte en plastique qu'il nous donne avec une cuillère en plastique qui est à l'intérieur, avec un sac en plastique, plus la boisson contenue dans un gobelet en plastique, avec un sac en plastique, plus la paille en plastique, et même les baguettes sont contenues dans un sachet en plastique. Alors je me demandais comment pouvons-nous avoir un moyen de pression à l'international, sachant que même si je refuse tous les jours, bon pas ce soir pour vous montrer, mais les sacs en plastique, etc., je les refuse, mais c'est clairement pas suffisant. Donc voilà, je me demandais comment on pouvait avoir de l'impact hors de la France, sachant qu'ici ils sont des millions à consommer comme ça. Un grand merci pour ce que vous faites et je vous souhaite tout le meilleur. Salut! Alors moi je suis venu principalement parce que je dirais qu'on a l'impression que les politiques ne bougent pas pour le climat. Et que voilà, on a des enfants, on aimerait leur laisser une planète en bon état et on se rend compte que la planète se dégrade d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure. Et que par contre, les politiciens, on diminue un peu les voitures de société, on le récupère à droite, enfin, on change, on bouge, on fait deux pas à droite, un pas à gauche, mais on n'a rien de concret, rien de durable, rien sur du long terme. Et que voilà, je dirais le problème, il viendra pas pour nous, pour notre génération, mais pour la génération future. Et donc, si on veut pas que eux doivent gérer nos problèmes, eh bien, il faudra qu'on les gère nous-mêmes. Il faut changer le système pour travailler tous ensemble à un avenir meilleur, aussi économique qu'écologique et social. Naturellement. Soyons durables dans tous les secteurs. Concret, qui soit positif pour tout le monde et tous ensemble, on doit tous liés, tous unis pour avoir un monde serein, en sécurité, voilà. C'est aussi ça, un que bon ça. Je comprends qu'on ait besoin de plein de choses pour vivre, mais il y a plein de choses superflues que je crois qu'il est grand temps qu'on fasse ça à la trappe, qu'on arrête ce machin-là et qu'on mette notre énergie dans autre chose qui est un peu plus vivant. Si tout le monde mange local, ça serait beaucoup mieux. Si on mange moins de la viande, c'est mieux. Si on achète moins, c'est mieux. Et si on achète moins, on a besoin de moins d'argent. C'est tout combiné, au fond. J'ai l'impression que, en tout cas, moi je suis ici, pas pour que des gens qui ont du pouvoir changent le monde à ma place. Je suis là pour demander qu'ils arrêtent de te foutre des bâtons dans les roues. Parce que je sais faire du pain, je pourrais le vendre, mais on m'interdit de le faire. Par toutes sortes de complications débiles. Et que c'est ça que je revendique, c'est juste d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. Et à ce niveau-là, je me sens peut-être un petit peu dans le même cas des gilets jaunes où j'ai l'impression que ce qu'on demande, c'est que les politiques changent le monde à notre place. Salut à toi vivant, je suis sûr que t'es chaud pour agir pour l'environnement comme réduire tes déchets ou manger bio. Mais malgré tous tes efforts, t'es limité par le manque d'argent. Et oui, l'argent est concentré dans une minorité de la population qui prend pas toujours les bonnes décisions pour l'environnement. J'ai découvert que l'une des principales raisons des inégalités de richesse, c'était la façon dont fonctionnait notre monnaie. L'euro aujourd'hui nous pousse à la compétition et à toujours plus de croissance. Il existe des monnaies locales qui sont très bien mais qui ne changent pas fondamentalement le problème. Une initiative citoyenne a repensé tout le système de la monnaie et créé la monnaie libre qui permet de mieux répartir l'argent en distribuant à ses membres l'équivalent d'un revenu de base. Ça permet de renverser le rapport de force et de nous redonner du pouvoir d'acheter local ou de faire des dons à des assos qui agissent pour l'environnement. Ce pouvoir, il ne tient qu'à toi de venir le chercher, j'en parle sur ma chaîne YouTube. Au plaisir de t'y voir, toi qui souhaites rester en vie.